Gino est un jeune Togolais qui se débrouille. Alors, je suis jeune Togolais, je suis âgé de 28 ans, je suis acteur comédien, maître de cérémonie et manager général d'un festival. En résumé, je suis entrepreneur. On va dire que j'entreprends dans le milieu artistique et culturel. Et voilà, j'essaie de faire de la promotion de la culture comme je peux. Classique hein, avec le théâtre. J'ai commencé avec le théâtre en 2011-2012 par là, avec un ensemble artistique qui s'appelait FACO, porté par des grands noms du théâtre togolais, contemporain, de la nouvelle génération, ou c'est le nom d'une certaine génération. Et ensuite, on a eu un parcours qui a duré environ 3-4 ans. En 2015, je suis repéré lors d'un casting mené par Yobo Studio pour Canal+. À l'époque, c'était la préparation d'un tournage, celui de mi-temps d'une série, d'une short-com. Et j'ai envie de dire que c'est à ce moment-là que la sauce a pris. C'est après à ce moment-là, et puis après, les choses se sont enchaînées. Il y a eu Hospitalité, ensuite aujourd'hui, Oasis que tout le monde découvre. Il y a eu mon petit passage par la Côte d'Ivoire avec Jusqu'au bout. Et bientôt, en 2020, certainement, Voyage de rêve. Et ouais, donc j'ai envie de dire que je suis tombé dedans comme ça. Et voilà, je pense que là, je suis sous ma bonne étoile peut-être et je la suis. J'adore ça. Aujourd'hui, figure importante, sinon, voilà, quand on parle d'actorat au Togo, je fais partie de ces gens-là à qui on pense en premier. C'est parce que j'ai compris qu'il fallait que j'exploite mon environnement de manière positive. Aujourd'hui, c'est courage, volonté, abnégation, persévérance. Et on atteint des sommets que nous-mêmes, on n'imagine pas. Et je prie pour que ça dure. Ouais, ça, c'est toute ma team, c'est mon équipe, c'est mes gars. Pour la série Oasis et voilà, on espère que ça plaira au public togolais, au public africain surtout. Ouais, vivre que du cinéma ça va être compliqué aujourd'hui, mais quelque part c'est possible. Donc moi, l'instar de moi, je suis, vous avez pu le constater, je suis derrière, je suis réalisateur d'événements, je fais de la coordination, du consulting, je suis maître de cérémonie et voilà, j'ai plusieurs cordes comme ça que j'allie. Parce que déjà j'adore faire ça, je suis vraiment passionné et ouais, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Et derrière, ben, ça m'aide à soutenir ma carrière, à m'aider à financer, à comprendre ce que je fais de la fiction. Pour moi, l'année 2019 se termine bien. Trois distinctions comme ça en fin d'année, trois nominations, c'est juste waouh, je dis oh, enfin mon travail porte des fruits. Je suis considéré dans mon estime, c'est pourquoi on m'appelle et je suis nominé parce que voilà, je commence à intéresser des gens et ça me booste, comme on dit. Mais non, si je gagne, ce sera encore mieux. Mais sinon, déjà, beaucoup de chance, beaucoup de respect pour ça et je suis très heureux par rapport à ça aujourd'hui. Travailler, bosser, aller au-delà de ce que vous pouvez imaginer comme étant la limite, c'est sûr que c'est. J'ai juste envie de dire, j'allais les Kema, je vais que chez vous répondre ensemble. Coulé! Voilà, c'est ça.